Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Kingdom Hearts. Et j'ai eu un problème, je suis un problème de timing. Et du coup, je n'ai pas mon nouveau micro. C'est toujours mon ancien, c'est toujours mon actuel. Donc du coup, voilà, on fera avec pour l'instant. Je l'aurais pas avant un petit moment, donc en fait, parce que j'étais parti pour me l'acheter, mais en fait, quelqu'un l'a pris avant moi. Donc du coup, il n'en avait plus d'autres. Et donc du coup, je dois attendre quelques jours, le temps qu'ils refont le stock. Voilà. Parce que j'ai pas le chance, hein. À quelques heures d'intervalle, hein. Vraiment, c'est genre 2 heures d'intervalle. Quelqu'un me l'a acheté avant moi. Et donc du coup, voilà. Mais là, je l'ai réservé. Donc du coup, voilà. Là, je suis sûr d'avoir le courrier d'abandon de nouveau. Là, vous allez me dire, mais pourquoi je vais ici, moi? Là, c'est vrai, pourquoi je vais ici déjà? Ah oui! J'ai oublié ce que j'avais prévu de faire. Je voulais juste récupérer ceci. Là. Voilà. Et voilà! Les fameux coffres que j'avais laissé de côté parce que j'avais pas la compétence nécessaire. Là, étant donné que je les récupère. Donc au niveau des Damasiens, on en est où? Ben, c'est pas ça. Au niveau des Damasiens, on en est où? 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 Et ouais. C'est un peu dans le désordre tout ça. Je pensais que j'ai récupéré le 1, 2, 3, mais je crois que le 1, 2, 3, je crois savoir où il est, mais je peux pas pour l'instant, je crois. Il me semble que je ne peux pas pour l'instant. Il me semble? En fait, j'en suis pas sûr, finalement. Finalement, j'en suis pas sûr. Donc, ouais, je vais retourner, hop. Ouais, c'est qu'en fait Yuffie le soigne, donc ça c'est un peu chiant aussi. Mais normalement, voilà. C'est pas un problème. Allez, hop! Et voilà! Voilà, comme ça s'est fait avec vous. Non. Donc voilà, comme ça, voilà comment j'XP. Vous voyez, au début j'étais à 2100, là je suis plus qu'à 827. Ça va. Donc maintenant, ce que je voulais faire, alors juste mini ellipse pour voir, parce que voilà, mini ellipse. allez, grande sur cette plateforme. Ah, et les voilà. Voilà ce qu'il me fallait. Voilà ce que je cherchais. Et là, vous voyez, il y a un coffre en haut là, vous l'avez vu, c'est avec la marque de trio jaune qu'on l'obtient. Ouais, donc voilà, donc c'est là où je reprends, c'était au manoir du coup, à la chambre du mage. Dans la ville de traverse, je peux pas faire start, si je fais start. Voilà, maintenant il faut le 19-21. Et on se retrouve dans l'espace là, dans le choix du monde, en level 43. Donc du coup j'ai XP, j'ai fait un peu ce que je voulais, donc récupérer les coffres damasiens que je vous ai montré chez Alice. Et c'est tout, je crois, c'est tout ce que j'ai fait. J'avais pas avec la synthèse aussi,
dans Interstellar. Bref, il est temps maintenant de découvrir le dernier monde. Et oui, c'est le dernier monde. C'est le dernier monde. Et du coup, les événements vont s'enchaîner. Bon, c'est pas la fin du jeu, hein, mais voilà. On va dire que l'histoire va prendre une tournure, va avoir une évolution dans l'histoire. L'histoire, je parle de la vraie histoire, pas je parle pas de l'histoire de Disney, même si là il y aura quand même l'histoire du Disney qu'on va voir. Mais il y a dedans et ça va s'enchaîner après pour l'histoire principale quoi. J'ai dit un peu trop fort le mot histoire, mais c'est pas grave. Donc allons-y. Regardez, il y a un grand bateau qui s'approche derrière nous. C'est pas le moment de avancer, c'est un bateau pirate. Il vient de rentrer dedans, accrochez-vous. Je ne pensais pas que tu viendrais, Sora. Riku ? Je suis content de te voir. Où sont Donald et Dingo ? Sont-ils si importants à tes yeux ? Plus que tes anciens amis ? Au lieu de t'inquiéter pour eux, tu devrais plutôt te soucier d'elles. Kairi ! Eh oui. Pendant que tu rêvassais, j'ai fini par la retrouver. Pas si vite ! Pas de manigance à bord de mon navire, petit! Riku, pourquoi fais-tu équipe avec les Sans-Cœurs? Les Sans-Cœurs m'obéissent à présent, Sora. Je ne crains plus rien du tout. Tu es stupide! Tôt ou tard, ils auront ton cœur! Impossible, mon cœur est trop fort. Riku! J'ai aussi appris quelques nouveaux tours. Celui-ci, par exemple. Tu peux aller retrouver tes amis. Il est temps d'appareiller. Évitez que Sora ne s'approche de Kairi jusqu'à ce qu'on accoste. Ce morveux s'imagine qu'il peut me donner des ordres. Qu'allons-nous faire, capitaine Crochet? Rien du tout. Laka le grouille de son rancœur. Ils n'ont qu'à surveiller ces misérables. Mais capitaine, vous savez qui se trouve également là? Tu as entendu, Mouche? Ce son effroyable? Non, capitaine. Tu en es certain? L'aurais-je imaginé? Oh, mes pauvres nerfs! C'était Kairi? Ouais, c'était vraiment Kairi. Je l'ai enfin retrouvé. Génial! Eh ben alors, montons lui parler. Ouais. Très bonne idée. Mais avant ça, il faut vous lever. Oh, pardon. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez la sortie? Qui es-tu? Je suis la réponse à vos prières. Bon, d'accord. Faites comme vous voulez. Mais toi aussi, t'es coincé ici, non? Non, j'attends quelqu'un, c'est tout. Qui? Clochette, où étais-tu passée? Beau travail. Alors, t'as trouvé Wendy? Une seconde. Il y avait aussi une autre fille? Non, mais ça va pas. Il est hors de question que j'abandonne Wendy. Hé, hey, attends, Clochette. Ouvre cette porte. Je suis Peter Pan. Et moi, Sora. D'accord,
On fait équipe, mais seulement jusqu'à ce que je trouve Wendy. Et voilà. Par contre, du coup, je vais remettre un chenouille parce que ça du coup, on l'a vu, mon autre Keyblade durant la cinématique, là, ça m'a perturbé. Du coup, nous sommes chez Peter Pan, voilà, le dernier monde. Ah, va, oula. Notre ombre, Kirikou a enlevé. Voilà, 130 points d'expérience. Ça, c'est cool. Et là, les 5 cris, ils nous donnent 28 points d'expérience. Bon, tu vas apprendre ta putain d'échelle? Voilà, merci. Donc là, vous voyez, il y a une marque de trio jaune, je peux pas encore l'ouvrir. Mais comment ça se fait que tu peux voler? Tout le monde peut voler. Vous voulez essayer? Bon, déjà, tu ne peux pas déjà commencer? Tu fais toujours la tête, Clochette. Juste un peu de poussière de fée. Voilà, maintenant vous pouvez voler. Comment? Wendy ne ferait pas partie des élus? A priori, elles sont 7. Et Maléfique dit qu'elle n'est pas l'une d'entre elles. Jetez l'ancre dès que possible. Laissez tout le lest derrière nous, elle y compris. Après tout le mal qu'on a eu à la capturer? Et pourquoi ces 7-là? Que peut bien comploter Maléfique? Qui sait? Du moment que je retrouve le cœur de Kairi, ça m'est égal. Bah, tu perds ton temps. Les 100 cœurs ont dévoré le cœur de cette fille. Je parie ma main qu'il est perdu à tout jamais. Crois ce que tu veux, je le trouverai. Capitaine. Quoi? Les prisonniers se sont échappés. Et en plus, Peter Pan est avec eux. Ah, maudit soit ce Peter Pan! Dans ce cas, très bien. Conduis l'otage dans ma cabine, mouche. Dépêche-toi! Y a-t-il Clochette? Peter? Peter Pan? Wendy! Dépêche-toi! Les pirates arrivent! Quoi? Tiens bon, j'arrive tout de suite! Wendy? Oui? Est-ce qu'il y a une autre fille avec toi? Oh, ma foi, oui! Mais apparemment, elle dort. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Kairi? Kairi! Kairi. On l'a enfin retrouvée, mais bon, elle a d'être assez inconsciente et avoir perdu son cœur, apparemment. Pourquoi? Comment? Pourquoi ça va? Allez, j'ai plus de place pour le bug de dissipation. Donc qu'est-ce qu'il y a en haut de cette échelle? Riku, attends! Oula, et maintenant on se bat avec le vrai, la vraie onde, parce que là du coup tout à l'heure c'était un petit avant-goût. Maintenant on va se battre pour de vrai, avec la vraie barre de vie.
qui est plutôt longue. Mais ça va, on gère, franchement on gère ça. Et voilà, niveau 44 en plus, nickel. Griffe de corbeau. Donc ça, c'est fait. Et voilà, on a aussi en plus des damasiens. Attends, on a nous pour les marques de trio. 14 sur 17, 5 sur 6, 6 sur 9. Ah! Ah non! Wendy! Laisse-moi, Clochette, pas maintenant! Sora, c'est ici que nos routes se séparent. Je reste avec Wendy. Ok! Je pensais que donc on devait aller sur le pont. Quel malhonneur eut ce Riku. Il s'est enfui avec la fille sans même dire au revoir. Où est-il passé? Dites-le-moi. Où est-il allé? Aux ruines de la forteresse oubliée, là où Maléfique règne. Mais vous n'irez jamais là-bas. À moins que vous n'ayez l'intention d'abandonner votre petite camarade. Remets-moi la Keyblade et j'épargnerai vos vies. Je suis un homme clément, contrairement au sans-cœur. Alors, qu'est-ce que ce sera? La Keyblade ou la planche? C'est lui! C'est le crocodile qui m'a pris ma main! Oh mouche! Il en a apparu mon autre main! Je ne peux pas rester là! Va-t'en! Oh, ça fut mort et pile. Mouche, occupe-toi d'eux. Vol, Sora. Il suffit d'y croire et tu pourras le faire. Merci, Peter. Oh, y a pas de quoi. Tu croyais pas que j'allais vous laisser tomber, Clochette et toi? Essence de la guérison, soin plus. Nickel. On peut imaginer, vous pouvez voler. Il vous suffit d'appuyer sur la touche rond lorsque vous êtes en l'air. En vol sur la touche rond et sert à monter et à la touche carrée à descendre. Comme pour un nage dans la, sur Atlantica. Vous allez voir. Et c'est parti. Quel malhonneur eut ce Riku. Il s'est enfui avec la fille sans même dire au revoir.
Où est-il passé? Dites-le-moi, où est-il allé? Aux ruines de la forteresse oubliée, là où Maléfique règne. Mais vous n'irez jamais là-bas. À moins que vous n'ayez l'intention d'abandonner votre petite camarade. Remets-moi la Keyblade et j'épargnerai vos vies. Je suis un homme clément, contrairement au sans-cœur. Alors, qu'est-ce que ce sera? La Keyblade ou la planche? C'est lui! C'est le crocodile qui m'a pris ma main! Oh, mouche! Il en a appareil mon autre main! Je ne peux pas en rester là! Va-t'en! Oh, ça pue m'horripile! Mouche! Occupe-toi d'eux! Vol, Sora! Il suffit d'y croire et tu pourras le faire! Merci, Peter. Oh, y a pas de quoi. Tu croyais pas que j'allais vous laisser tomber, Clochette et toi? Est-ce que c'est toi, Mouche? Tu t'es débarrassé d'eux? Oui, oui, capitaine. Je les ai tous fait passer par-dessus bord. Ah 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 ah, Peter Pan! Maudit sois-tu! T'es prêt à plonger, vieux poisson pourri? C'est à ton tour de passer par-dessus bord. Et c'est parti! Pour le boss final de ce monde! Le capitaine Crochet.
Allez, on y est presque. Et voilà, 3400. Sur la prix Arcane. Ni à la présentation numéro 9. Kairi ne s'est pas réveillée. Peut-être qu'elle a vraiment perdu son... Oh Sora. Alors ça, j'y crois pas. J'ai vraiment volé ? Faut que je raconte ça à Kairi. Je me demande si elle me croira. Ça m'étonnerait. Tu pourras la ramener au pays imaginaire. Comme ça, elle pourra essayer. Pour réussir, il suffit d'y croire, c'est ça? Je trouverai Kairi. Je sais que j'y arriverai. J'ai tant de choses à lui raconter. Comment voler, les pirates, et tout ce qui nous est arrivé. Quoi, Clochette? À la tour de l'horloge? Tu dis qu'il y a quelque chose là-bas? Et nous sommes à Londres. Tu as tout sur la bonne pas. Alors normalement, il y a des coffres ici. Qu'on va récupérer évidemment. Donc il y en a un là, donc c'est voilà, c'est le Damascien. Attends. Il y a n'importe où dans la ville, mais une des horloges retarde. Ah oui, ok, voilà. Ah bah c'est celle-ci. Hop. Hop. Ah. Voilà. Un demi, 9,5, l'autre moitié. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller accéder à un autre monde. Et Sora. Ouais. Quand on sera grand, on quittera cette île, d'accord? On vivra une vraie aventure, pas un truc de gamin. D'accord, mais y a rien de marrant à faire dans le coin. Et tu connais la fille de la maison du maire? Elle est arrivée la nuit là où il a plus de météorites. C'était imprudent de l'amener ici sans utiliser un vaisseau. N'oublie pas,
s'en remettre entièrement aux puissances obscures pourrait te coûter ton cœur. Une âme perdue. Bien que son monde ait disparu, son cœur a survécu. Quand nous avons enlevé la princesse de son monde, il l'a suivie jusqu'ici grâce à la force de sa volonté. Mais ne crains rien. Il ne te fera aucun mal. Il n'est pas de taille face à ton pouvoir. Mon pouvoir ? Oui, la force inexploitée qui est en toi. À présent, mon enfant, éveille cette puissance et révèle ton vrai pouvoir ! Peter, vas-tu vraiment retourner au pays imaginaire ? Hélas, oui. Mais on pourra se revoir. Tant que tu n'oublieras pas le pays imaginaire. Oh non, on dirait qu'elle s'est encore vexée. Rends-moi un service. Prends soin d'elle, d'accord ? Hein ? Après Clochette et Harpe Féerique. Vous avez appris Voplaner. Ça, c'est grave cool. C'est la compétence que je voulais. Donc, hop, compétence, groupe Voplaner. Là, on va pas l'activer parce qu'ici on ne peut que voler. Mais voilà, on la verra dans les prochains mondes. Donc, vous avez vu, hein, Riku a développé d'autres pouvoirs hein, grâce à Maléfique. Donc, on va le rejoindre de ce pas. Enfin, de ce pas. Non, pas tout de suite. On va voir d'abord. On va se regarder ici. Et on va se laisser ici. Donc, merci de regarder cet épisode. Et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite de Kingdom Hearts. Allez, bye bye!